بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله الباقي الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا الله تعالى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. Donc on avait débuté le commentaire du premier témoignage, Ashhadu an la ilaha illallah, c'est-à-dire je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Allah. Et on avait expliqué l'adoration, et qu'est-ce qu'ils ont dit les savants pour définir l'adoration, et que ce n'était pas la simple crainte, pas la simple supplication, pas le simple demande d'aide, contrairement à ce que pensent certains ignorants. Et après, on avait mentionné certains noms de Allah. Donc c'est important de savoir que les noms de Allah, comme ont dit les savants, ils sont tawqifiyya, c'est-à-dire qu'on s'arrête à ce qui est rapporté dans les textes pour nommer Dieu. C'est-à-dire qu'on n'invente pas un nom de nous-mêmes, on nomme Dieu par les noms qui ont été rapportés dans les textes. Soit dans le Coran, soit dans le Hadith, ou soit les noms chez lesquels les savants sont unanimes qu'on peut l'employer pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc on avait mentionné en premier le nom Al-Wahid, donc l'auteur quand il parle de Dieu dans le premier témoignage, avant d'expliquer les attributs de Allah, et il cite certains noms. Et ça fait une insistance également sur certaines significations qu'on reverra plus tard, inshallah, quand on verra les attributs de Allah, tabaraka wa ta'ala. Et on avait dit que tous les noms de Allah désignent un attribut de Dieu, sauf le nom Allah, qui lui désigne l'être qui a la puissance de créer, le seul qui mérite d'être adoré. Donc le nom Allah, ça veut dire celui qui a la puissance de créer, c'est-à-dire de faire exister ce qui n'existait pas, de faire surgir du néant ce qui n'existait pas. Donc Al-Wahid, c'est celui qui n'a pas d'associé. On a dit que ce n'est pas dans le sens du nombre, parce que Wahid en arabe, ça veut dire aussi le chiffre 1. Mais c'est dans le sens que Dieu n'a pas de ressemblant. L'associé, c'est-à-dire le ressemblant concernant Allah Ta'ala, ça c'est impossible selon la raison. Al-Ahad, on a dit, ça veut dire que Dieu, c'est impossible à son sujet qu'il se divise ou que se partitionne, car Dieu n'est pas un volume, n'est pas composé de substances, n'est pas un corps composé de particules, donc c'est impossible qu'il se divise. Car il n'est pas un corps, il n'est pas un volume, on ne peut pas l'imaginer, il n'a pas de hauteur, ni de largeur, ni de profondeur. Le corps, les savants l'ont défini, certains par le fait que c'est ce qui a une longueur, une largeur et une profondeur. Et tous les corps sont composés de particules, donc ces corps-là, ils sont divisibles en particules. Donc tout corps qui soit palpable, comme l'humain, l'arbre, la pierre, ou impalpable comme la lumière et l'obscurité, tu peux les diviser. Dieu n'est pas un corps, donc c'est impossible qu'il se divise, on ne peut pas l'imaginer, il n'est pas comme ce qu'il a créé. Et donc Dieu n'est pas un corps, car le corps, il est soit un corps, le corps n'est, c'est soit un volume qui est palpable, qu'on peut saisir par la main, comme l'humain, l'arbre et la pierre, et Dieu n'est ni également un corps impalpable, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas saisir par la main, comme la lumière, l'obscurité et l'air, d'accord. Bien sûr, Dieu ne peut pas le saisir par la main, ne peut pas le toucher, il n'est pas concerné par le contact et la séparation, mais c'est pas pour autant que Dieu ressemblerait à un corps impalpable, comme l'âme, l'esprit, hein, l'âme, la lumière, le vent, etc. Et donc certains ils ont dit que Al-Ahad, ça veut dire dans le même sens que Al-Wahid, ça c'est notre sens, c'est-à-dire que Dieu est unique, on peut dire Ahad dans le sens qu'il est unique, tout comme également, on dit Ahad en arabe pour dire un. Donc ça, dans ce sens-là, ça marquerait donc une insistance pour le nom Al-Wahid, Al-Ahad, c'est-à-dire que Dieu est unique et il est unique.
Après, on a expliqué que Dieu n'a pas de début, qu'on pouvait appeler Dieu Al-Qadim dans le sens qu'il n'a pas de début à son existence. Et on avait terminé que Dieu, il est Al-Hayy, celui qui a pour attribuer la vie. Et la vie de Allah n'a pas de début, n'a pas de fin, n'est pas créée, n'est pas de moelle, ni de sang, ni de chair, comme on a vu. Al-Qayyum, ça veut dire celui qui n'a besoin de rien. C'est-à-dire que Allah Ta'ala n'a donc besoin ni de l'endroit, ni du temps, et il n'a pas besoin de quelqu'un qui l'aurait spécifié par ses attributs. Contrairement à toutes les créatures qui sont forcément dans un endroit, et qui sont sujettes au temps, et qui ont besoin de qui les a spécifiés par ces attributs-là plutôt qu'un autre. Donc, Al-Hayyul Qayyum, c'est dans le Coran, hein. On a vu qu'Al-Awwal également, Huwa Al-Awwalu, ça c'est dans le Coran. Dieu, c'est lui qui est Al-Awwal, celui qui n'a pas de début. Al-Qadim, on avait dit que c'était par rapport au hadith, que certains attributs de Dieu, comme Sultan, et d'autres attributs, ça rapporte dans le hadith que ils sont Qadim. Donc à partir de là, on peut dire donc que l'être de Dieu est Qadim. Comme il a dit le grand linguiste Mohamed Murtada Zabidi, il a rapporté l'unanimité qu'on peut appeler Dieu Al-Qadim. Parce que certains à notre époque ils disent que soi-disant c'est interdit d'appeler Dieu Al-Qadim. Donc bien sûr c'est permis, mais dans un sens qui est propre à Allah, qui est digne de Dieu. Al-Hayy, celui qui a pour attribut la vie. Donc ça c'est dans Sourate Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Donc al-hayy et al-qayyum sera rapporté dans le Coran. Donc on a le droit d'appeler Dieu par cela. Donc al-qayyum, certains ont dit que ça veut dire que Dieu n'a besoin de rien. Et certains ont dit que ça veut dire celui à qui est impossible l'anéantissement. Ad-da'im, c'est-à-dire que Dieu est éternel, c'est-à-dire celui à qui n'advient pas l'anéantissement et c'est impossible également à son sujet l'anéantissement. Pourquoi on dit ça? Parce que, y a certaines créatures qui sont éternelles. Mais ces créatures-là, selon la raison, c'est possible qu'elles s'anéantissent. Pourquoi? Parce que comme elles n'existaient pas, eh ben, c'est possible selon la raison qu'elles n'existent plus à nouveau. Alors que Dieu, son existence, elle n'est pas précédée par le néant. C'est clair? C'est-à-dire que toute créature, avant, elle n'existait pas. Donc comme toute créature, avant, elle n'existait pas, c'est possible selon la raison qu'elle n'existe plus à nouveau. C'est bon qu'elle redevienne à l'état de néant. Alors que Dieu, son existence n'a pas de début, donc c'est impossible qu'il s'anéantisse. Parce que l'existence de Dieu n'est pas précédée par le néant. Donc c'est la différence entre l'éternité d'Allah et l'éternité de certaines créatures pour qui Dieu a voulu qu'elles n'aient pas de fin. Déjà, l'éternité de certaines créatures qui n'ont pas de fin, c'est une éternité qui est temporelle. Alors que l'éternité de Dieu, elle n'est pas temporelle. C'est-à-dire que quand on dit que Dieu est éternel, ça ne veut pas dire qu'il y a du temps qui s'écoule sur Dieu de manière infinie. Non. Parce que Dieu n'est pas soumis au temps. Et ça voudrait dire que Dieu serait créé. Comme il a dit à Abou Moussa al-Bardadi, « Wa ajmaru ala annahu la yahwihi makan wa la yajri alayhi zaman. » C'est-à-dire tous les savants sont unanimes que Dieu, le temps ne s'écoule pas sur lui et qu'il n'est pas circonscrit dans un endroit. Qu'il n'est pas circonscrit dans un endroit ni que le temps s'écoule sur lui. Donc, quand on dit que Dieu est éternel, ça ne veut pas dire la même chose quand on dit le paradis est éternel ou quand on dit que le trône est éternel, par exemple. Par exemple, l'âme de l'être humain, elle est éternelle. Même quand on meurt, notre âme, elle reste. Et après, quand on est ressuscité, notre âme, elle retourne dans le corps. Les Wildan Mukhalladun, également, les enfants du paradis sont éternels. Houdlain, les femmes du paradis. Donc il y a des créatures pour qui Dieu l'a voulu qu'ils soient éternelles, comme le paradis et l'enfer, par exemple. Mais leur éternité n'est pas semblable à l'éternité de Allah. C'est-à-dire que l'éternité du paradis et de l'enfer, déjà, elle est créée. C'est Dieu qui les a spécifiés par l'éternité. Alors que l'éternité de Dieu n'est pas créée, c'est pas quelqu'un d'autre qui a spécifié Dieu par l'éternité. Et deuxièmement, l'éternité du paradis et de l'enfer sont temporelles, sont concernées par le temps. C'est-à-dire que c'est une éternité du point de vue du temps. C'est-à-dire qu'il y a des secondes qui s'écoulent à l'infini ou des instants qui s'écoulent à l'infini en boucle pour l'éternité sur le paradis et pour l'enfer. Alors que pour Dieu, l'éternité, c'est pas comme ça. Dieu est éternel indépendamment du temps. Donc il faut faire attention, ne pas mal comprendre les choses. Quand on dit que le paradis est éternel, et quand on dit que Dieu est éternel, c'est le même mot, mais ce n'est pas le même sens. Ça ne veut pas dire que Dieu ressemble au paradis, ou que le paradis ou l'enfer ressemblerait à Dieu dans le sens de l'éternité. C'est clair? Donc c'est pour ça que Ad-Da'im,
Ça veut dire non seulement que Dieu il est éternel, mais ça veut dire que c'est impossible selon la raison que Dieu il ait une fin. D'accord? Donc dans ce sens-là, il n'y a que Dieu qui est Daim. C'est-à-dire que le dire Daim, en arabe on dit Daiman tout le temps, Yanni. On peut dire une créature qu'elle est Daim dans le sens qu'elle perdure. Mais dans le sens de, que pour Dieu, c'est-à-dire que dans le sens que c'est ni sujet au temps et que c'est impossible que ça n'anéantisse, il n'y a que Dieu qui est Daim dans ce sens-là. Il n'y a que Dieu qui est éternel dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens que c'est impossible qu'il ait une fin. Al-Khaliq, c'est-à-dire celui qui est le créateur, c'est-à-dire celui qui a fait surgir et qui a fait exister l'ensemble des créatures depuis le néant jusqu'à l'existence. Le néant, ce n'est pas le vide. Le néant, c'est le contraire de l'existence, c'est la non-existence. Et donc on dit que Dieu est là, Abroza wa Kawana. Kawana en arabe, c'est propre à Allah. Parce qu'il y en a maintenant, soi-disant les arabophones aujourd'hui, là, quand ils te demandent d'inventer une rédaction ou un texte, ou d'inventer une phrase quand tu apprends l'arabe, ils mettent dans les livres d'arabe des fois aujourd'hui, hein, ils disent soi-disant Kawin Jumlatan. C'est-à-dire fais le takwin du Jumla. Et ça, c'est faux. Le mot Kawana, ça veut dire, c'est du verbe Kana Yakunu qui veut dire être. Et Kawana, ça veut dire le fait de rendre, le fait de faire une chose qu'elle soit. Ça, c'est déjà la création. Ça, c'est un verbe qu'on n'emploie que pour Allah. Je crois que même dans vos livres d'arabe, il y a ce mot-là. Kawana, ça veut dire créer. D'accord? C'est un verbe qu'on n'emploie que pour Allah. Donc, on ne dit pas, par exemple, si tu veux dire à quelqu'un, invente une phrase, on ne dit pas Kawin Jumlatan, on dit Alif Jumlatan, par exemple. Enfin, attention, parce que maintenant, ils emploient ça dans les livres en arabe. Et ça, c'est faux. D'accord? Kawana, ça veut dire fait que la chose, elle soit. Et ça veut dire le créer. Créer dans le sens de faire surgir du néant à l'existence. Ça, c'est un sens qui n'est propre qu'à Allah. Donc Dieu, c'est lui qui a fait surgir du néant à l'existence l'ensemble de la création. Et ça, c'est un attribut qu'on n'attribue qu'à Allah. Alors après, khalaqa en arabe, que dire créer, il a plusieurs sens en arabe. Tu veux dire khalaqa dans le sens transformer, dans le sens inventer une chose, inventer un mensonge, modéliser une chose, d'accord? Donc, dans ces sens-là, on peut l'employer pour la créature, mais créer dans le sens de faire qu'une chose qui n'existait pas, elle existe, ça c'est que pour Dieu. Également en français, je dis créer, khalaqa, dans le sens de faire surgir le néant à l'existence, ça c'est un sens qui n'est digne que de Allah. C'est l'attribut même du créateur, c'est-à-dire que Dieu, on l'appelle Dieu parce qu'il a l'absence de créer. Donc ça également, Al-Khaliq, c'est dans le Coran, Dieu l'a dit, « Hu Allahu al-Khaliqu al-Bari al-Musawwiru lahu al-Asma'u al-Husna yusabbihu lahu ma fi s-samawati wal-ardi wa huwa al-Azizu al-Hakim. » Sourate Al-Baqarah, sourate Al-Baqarah 64. Dieu, c'est lui qui est Al-Khaliq. Quand on dit « Hu Allahu al-Khaliq », c'est-à-dire que c'est lui qui est Al-Khaliq, c'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu qui est Al-Khaliq. C'est bon, ça c'est des sens en arabe, hein, quand le Mubtada « Hu Allahu al-Khaliq » t'as le pronom et après t'as le nom d'après. Et après t'as le khabar, c'est que Dieu qui est al-Khaliq. Al-Bari'u, c'est-à-dire celui qui crée. Al-Musawwir, c'est-à-dire que Dieu, c'est lui qui crée les images. Donc quand on dit que Dieu crée les images, bah forcément, c'est-à-dire que Dieu n'a pas d'image. Dieu existait avant les images. Donc Dieu n'est pas concerné par l'image. Donc Dieu n'a pas d'image. C'est le corps qui a une image. Dieu n'est pas un corps, donc il n'a pas d'image. Lahul Asma ul Husna. Ça veut dire Dieu a les noms de la perfection, les noms qui indiquent la perfection qui est digne de lui. Ça reviendrait qu'on a dit qu'on ne nomme Dieu que par des noms qui désignent la perfection de Allah et des noms qui sont rapportés. Lahu ma fis samawati wal ardi wa huwa al-Aziz al-Hakim. À lui appartient ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre, et il est al-Aziz, celui qui est tout-puissant, et al-Hakim, celui qui crée toutes choses par une sagesse. Également parmi les choses qu'il y a un devoir de croire, selon la raison, c'est que Dieu, il est attribué par al-Hikma, qui est le fait qu'il crée toutes choses selon les sagesses. Dans tout ce que Dieu a créé, il y a une raison, il y a une sagesse. Dieu ne crée rien pour rien. Il n'y a pas une chose que Dieu il a créée pour rien. Tout ça, c'est parmi les noms qu'on attribue qu'à Allah. C'est-à-dire que la plupart des noms de Dieu, on peut les employer pour la créature, mais il y a 10 noms qu'on n'emploie que pour Dieu, qu'on n'a pas le droit de nommer une créature avec. C'est le nom Allah, le nom Ar-Rahman, le nom Al-Khaliq, le nom Ar-Razzaq, Dhul-Jalali wal-Ikram, Malikul Mulk, Al-Quddus. D'accord, comme ça, il y a 10 noms qu'on n'emploie que pour Allah. Al-Razir aussi, on n'emploie que pour Dieu. Donc ça, vu que Daim, on peut employer pour autre que Allah, dans le sens qu'il est éternel. En revanche, Al-Khaliq, ça c'est que pour Allah.
Et donc, Khalaqa, créer dans le sens que Dieu y crée, c'est-à-dire de faire exister ce qui n'existait pas, ça c'est spécifique à Dieu, on n'emploie pas pour la créature. On ne l'emploie pas pour la créature. Mais si quelqu'un emploie le mot Khalaqa, créer, dans autre que ce sens-là, dans le sens de transformer, dans le sens de modeler, dans le sens de mentir, dans ce sens-là, c'est permis d'utiliser le verbe Khalaqa pour autre que Dieu. Ar-Raziq, ça veut dire celui qui fait parvenir la subsistance ou les subsistances à ses esclaves. Donc Dieu, c'est lui qui crée la subsistance et c'est lui qui les fait les parvenir à ses esclaves. Nul autre que lui ne fait parvenir la subsistance à ses esclaves dans le sens nul autre que lui ne crée la subsistance pour ses créatures. Après, il y a des créatures qui sont des causes, qui amènent la subsistance, qui pourvoient l'armée par exemple, ou l'école qui ramène à manger ou des choses comme ça. Mais qui c'est qui a créé la subsistance? C'est Allah lui seul. Donc la subsistance qu'on appelle en arabe al-rizq, c'est ce qui est profitable à la personne et même si c'était interdit. C'est-à-dire qu'est-ce qui te permet de vivre, Annie, que ce soit la nourriture, les habits, etc. C'est ça qu'on appelle la subsistance. C'est ce qui est profitable dans le sens, ce qui t'accorde un profit matériel, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire la nourriture, les habits, ce qui te permet de vivre, etc. C'est ce qu'on appelle la subsistance, l'argent. D'accord? Donc la science et tout ça c'est une subsistance. Et des fois, c'est possible que l'argent que tu perçois, il est haram, que quelqu'un il a fait un travail illicite pour son argent, ou quelqu'un, bon, il a volé à manger. Mais ça, n'est-ce pas qu'il en profite physiquement? S'il en mange, ça va le nourrir. Donc du coup, même si c'est par le biais d'une source interdite, haram, on l'appelle quand même subsistance. La subsistance, c'est pas une condition qu'elle soit permise pour qu'on l'appelle subsistance. T'as la subsistance qui est permise, la subsistance qui est interdite. Mais les deux, on l'appelle sa subsistance. Si quelqu'un y vole une poule et il la mange, eh ben, c'est une subsistance qui est là, mais elle est interdite. Et si quelqu'un il achète une poule et il la mange, c'est une subsistance, mais elle est permise. Mais dans les deux cas, c'est Dieu qui a créé cette subsistance-là. C'est pas comme les Mu'tazila, un groupe égaré dans le passé qui prétendait être musulman, qui eux prétendaient soi-disant que la subsistance, c'est que ce que la personne consomme de manière licite. Et pour eux, ce qui est la subsistance interdite, ils ne l'appellent pas subsistance, soi-disant. Arrange-moi. Alors, qui c'est qui a créé cette subsistance-là? Non, et ça voudrait dire, selon eux, que si quelqu'un il a mangé, il a consommé toute sa vie du haram, ça veut dire que Dieu ne l'a pas pourvu en subsistance. C'est faux, d'accord? Dieu, comme c'est marqué dans le Coran, il pourvoit toutes les créatures en subsistance, parmi les animaux, yani. Et même si elles sont cachées dans la terre ou loin, etc., Dieu il amène leur subsistance. Donc, c'est ça qu'on appelle Ar-Razir. Donc, ça, c'est un nom qui est spécifique à Dieu. On n'appelle pas Ar-Razir autre que Allah, Tabaraka wa Ta'ala. C'est bon. Donc, Ar-Rizq, la subsistance, qu'elle soit licite, qu'elle soit permise ou interdite, si la personne l'a obtenue, alors ça constitue une subsistance pour lui que Dieu lui a accordée. Le voleur qui a volé un mouton et qui l'a mangé, c'est Dieu qui lui a fait parvenir sa subsistance. Mais c'est pas quand certains disent, ils trouvent un billet de 20 euros par terre et disent, ah, une subsistance que Dieu m'a accordée et garde le billet pour lui. Non, d'accord? C'est pas parce que c'est une subsistance que Dieu t'a accordée, c'est-à-dire qu'elle t'est licite. C'est-à-dire, si c'est une subsistance que Dieu t'a accordée, qu'elle t'est interdite, c'est un devoir que tu la délaisses. Et si c'est quelque chose que t'as volé, bah, tu le rends à son frère. Et si c'est un truc que tu trouves dans la rue et que c'est dans une rue, il y a des musulmans qui passent, etc., bah, tu mets une annonce pour dire, voilà, j'ai trouvé une somme d'argent. Je dis pas combien t'as trouvé, parce que sinon la personne va venir, va mentir peut-être. Tu dis, bon, j'ai trouvé une somme d'argent entre 5 euros et 50 euros. Si quelqu'un il a perdu une somme telle que cela à cet endroit-là, dans cette rue-là, alors qu'il m'appelle, par exemple. Voilà. Parce que beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font à notre époque? Ils trouvent 10 euros par terre et les prennent pour lui. Ah, Dieu m'a donné une subsistance. Oui, Dieu t'a donné une subsistance, mais toi, t'as pas le droit de la consommer. C'est bon? Donc, la subsistance, qu'elle soit permise ou interdite, si la personne s'en accapare, s'il s'en accapare pour lui, s'il la prend pour lui, alors c'est une subsistance que Dieu lui a accordée et que Dieu lui a fait parvenir. Cependant, Allah Ta'ala nous a ordonné d'obtenir l'argent du licite et de le dépenser dans le licite, d'obtenir les choses de valeur à partir d'une voie licite et de le dépenser ce qui est permis. Et il nous a interdit d'obtenir la subsistance d'une voie interdite et également de la dépenser dans l'interdit. Donc, c'est pas parce que Dieu t'a accordé une subsistance, ou alors si quelqu'un lui est parvenu une subsistance interdite, que ça veut dire qu'il peut la consommer. S'il a su qu'elle est interdite, ben, il ne doit pas la consommer, d'accord? Parce qu'elle n'est pas à lui.
C'est ça que le nom de Allah, Ar-Raziq. Et Ar-Razzaq aussi, c'est à peu près dans le même sens, sauf qu'Ar-Razzaq, c'est plus fort au niveau de la rhétorique qu'Ar-Raziq. Il y a une formule emphatique, en fait. Mais ces deux noms-là, on ne les emploie que pour Allah. On ne dit pas un tel, il est Ar-Razzaq, ou un tel, il est Ar-Raziq. Tout comme on ne dit pas un tel, il est El-Khaliq, le créateur. Ça, c'est parmi les noms qu'on emploie que pour Allah. Tout comme on ne dit pas qu'un tel est Allah, et on ne dit pas qu'un tel est Ar-Rahman, pour autre que Dieu, pour la créature. El-Alim, ça veut dire celui qui a pour attribut la science. Donc Dieu a pour attribut une science qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui ne change pas, qui n'augmente pas, qui ne diminue pas, et qui ne se renouvelle pas. Parce que la science de Dieu n'est pas créée. D'accord? La science de Dieu n'est pas créée, et la perfection de Dieu n'est pas créée, donc elle n'augmente pas, elle ne diminue pas. Nous, par exemple, si tu apprends des nouvelles choses dans le cours de religion, par exemple, ta science, elle augmente. Si tu oublies, ta science, elle diminue. Et après, tu apprends de nouvelles informations tous les jours, ta science se renouvelle. Donc la science de Dieu n'est pas comme la science des créatures. Notre science à nous, elle est comme ça, elle change, elle se perfectionne, des fois elle diminue, des fois elle augmente, des fois elle se renouvelle. Parce que notre science a un début, notre science est créée. Quand Dieu nous a créés, il y a l'endroit, quand, au moment où Dieu nous a créés, on ne connaissait rien. Dieu a dit, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Dieu vous a fait sortir du ventre de vos mères, vous ne savez rien. L'être humain, quand il naît, c'est ni marcher, ni parler, il sait rien faire, d'accord? Il n'a pas de science. Et après, et bien sûr, Dieu nous a créé la vue, l'ouïe, pour pouvoir acquérir de nouvelles connaissances. D'accord? C'est-à-dire que l'ouïe, la vue et la parole, c'est un moyen, d'accord, d'acquérir de nouvelles connaissances. Donc c'est comme ça que l'être humain, il apprend de nouvelles choses. Comme j'ai dit dans le Coran, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal-absara wal-af'idata la'allakum tashkurun. C'est-à-dire Dieu vous a fait sortir du ventre de vos mères, vous ne saviez rien. Donc ceux qui prétendent, parce qu'il y a des gens maintenant qui prétendent que soi-disant le bébé quand il naît, il sait marcher, mais c'est juste que c'est pas soi-disant, il sait pas utiliser son corps encore. C'est faux ça. Le bébé quand il naît, c'est rien du tout. Et après Dieu l'a dit, wa ja'ala lakum as-sam'a wal-absara wal-af'ida la'allakum tashkurun. Et Dieu a créé pour vous l'ouïe, la vue, le cœur, puissiez-vous remercier. C'est-à-dire que tu remercies Dieu par ces bienfaits-là, pour ces bienfaits-là, par le fait que tu utilises ces bienfaits-là dans l'obéissance à Dieu, que tu crois en Dieu et que tu l'obéisses. Donc David, Dieu l'a dit quoi? Dieu a créé pour vous, a fait pour vous la vue, l'ouïe et le cœur. C'est-à-dire que nous, notre vie, notre vue et notre ouïe, notre audition et notre vision, elle est créée par Allah. Elle a un début. Alors que Dieu, également notre cœur, il a un début. Notre science est dans le cœur. La science pour l'être humain, c'est un attribut des corps. C'est un attribut du corps. Il est entré en existence. Tout comme notre cœur, qui est l'endroit où on a la science, il est entré en existence. Alors que Dieu, sa science, c'est pas dans un cœur. Elle n'est pas entrée en existence. Tout comme sa vue n'est pas entrée en existence, tout comme son ouïe n'est pas entrée en existence, Dieu n'a pas de début et tous ses attributs également n'ont pas de début. Dieu, on ne peut pas l'imaginer et tous ses attributs également, on ne peut pas les imaginer. Donc Dieu, on ne dit pas qu'il sait avec un cœur, d'accord? On ne dit pas que Dieu, il apprend de nouvelles choses ou qu'il oublie. Dans le Coran, des fois, c'est rapporté Fanasiyahum. Mais des fois, quand on parle l'oubli, c'est dans le sens qu'on le délaisse. Par exemple, oh, tu m'as oublié, alors tu m'as délaissé, Yanni. C'est bon? Et dans le Coran, il y a une ayah qui dit dans le sens Nasullah Fanasiyahum. Ça veut dire que les non-musulmans, ils ont oublié Dieu. Ça veut dire qu'ils ont délaissé l'adoration de Dieu. Et après, en réponse, Dieu l'a dit Fanasiyahum. Ça veut pas dire que Dieu les a oubliés dans le sens qu'il a plus de science. Non, c'est-à-dire que tout comme eux, ils ont délaissé Dieu, bah, Dieu les délaisse au jour dernier. C'est-à-dire qu'au jour dernier, ils n'auront pas la victoire. Ça ne veut pas dire que Dieu l'oublie. Et ça, c'est une preuve également que les ayats du Coran, les versets du Coran, on ne les prend pas tous au sens apparent. Parce que même les wahhabites qui s'obstinent à dire qu'il n'y a pas de majaz dans le Coran, il n'y a pas de sens figuré, qu'il faut tout prendre à la lettre, etc., que c'est haram, soi-disant, d'interpréter, et que c'est, soi-disant, une falsification du Coran d'interpréter, bah, ils disent quoi pour cette ayat? Ils vont oser dire que Dieu l'a oublié? Soi-disant, les mécréants ont oublié Dieu, donc Dieu a oublié les mécréants? Ben non, d'accord? Ça voudrait dire que la science de Dieu aurait diminué. Donc la science de Dieu, on ne peut pas l'imaginer, elle est unique, elle ne se renouvelle pas.
Et Dieu sait tout par sa science. Comme Dieu a dit. Dieu, il connaît l'obligatoire rationnel, l'impossible rationnel, le possible rationnel. Il sait même qu'est-ce qui se serait passé s'il en avait été autrement. Par exemple, les mouchlikines, les mécrans dans le feu de l'enfer, ils diront que seulement on pouvait retourner dans le bas-monde. Et si tu nous fais retourner dans le bas-monde, tu nous donnes une deuxième chance, soi-disant, on va entrer en islam, on va faire du bien. Bah, Dieu dans le Coran, il a dit Walauruddu la'adu limanuhu an, innahum lakadhibun. C'est-à-dire, et s'ils avaient été renvoyés dans le bas-monde, eh ben, ils auraient retourné à la même mécrance qu'ils ont fait avant de mourir. Et certes, ce sont des menteurs. Mais ça va pas se passer. Ça va jamais se passer que les mécrans sortent de l'enfer pour retourner dans le bas-monde une deuxième chance. Mais malgré ça, malgré le fait que ça ne se passera jamais, Dieu sait comment ça se serait passé si ça avait eu lieu. Walauruddu la'adu limanuhu anhu. Innahum lakadhibun. Soit dire s'ils avaient été renvoyés dans le bas monde, ils seraient retournés dans la même chose, dans les mêmes péchés pour lesquels Dieu les avait interdits de faire, que Dieu leur avait interdit. Et certes, ils sont des menteurs. D'accord? Non, Dieu sait tout. Il sait le passé, le futur, le présent, etc. Dieu se sait lui-même aussi. D'accord? Parce que Dieu connaît l'obligatoire rationnel, l'obligatoire rationnel, c'est Dieu, ses attributs. Faut faire attention, là on reverra ça plus tard, l'attribut de Allah, mais l'attribut de Dieu ne concerne pas forcément toute chose. La science de Dieu concerne les créatures, et ce qui n'existe pas, et ce qui va exister, et également ce Dieu et ses attributs, ce qui est obligatoire qu'il existe. Donc la science de Dieu concerne toute chose. Même les choses qu'on appelle pas chay en arabe, même ce qui n'existe pas. Alors que par exemple, d'autres attributs, comme la vue par exemple, certains savants ils ont dit que Dieu il voit ce qui est visible. D'accord? C'est-à-dire que la vue de Dieu, ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu ne voit pas, mais ça veut dire que la vue de Dieu, elle concerne ce qui est visible. D'accord? Et certains ont dit Dieu il voit tout ce qui existe. Également pour Louis, certains ils ont dit Dieu il entend ce qui est audible. Je ne vais pas dire Dieu il entend la couleur rouge par exemple. C'est bon? Mais c'est pas pour autant qu'on va dire Dieu il entend pas, d'accord? C'est pas pour autant qu'on va dire Dieu il ne voit pas. Non. Mais les attributs de Dieu concernent des fois certaines choses en particulier. Et certains ils ont dit Dieu il entend tout ce qui existe. C'est bon? Par exemple, la toute puissance de Dieu, comme on va le voir maintenant là. Elle ne concerne que ce qui est possible que ça existe. Si c'est une chose que c'est impossible selon la raison que ça existe, ben c'est pas concerné par la puissance de Allah. Et si c'est une chose que c'est obligatoire qu'elle existe, c'est-à-dire Dieu et ses attributs, également c'est pas concerné par la puissance de Allah. Dieu n'est pas concerné par sa toute-puissance, c'est-à-dire que la toute-puissance de Dieu n'agit pas sur Dieu lui-même et ses attributs, et elle n'agit pas également sur quelque chose que c'est impossible que ça existe, sur un sujet que c'est impossible que ça existe. Pourquoi? Parce que le rôle de la puissance de Allah, c'est quoi la fonction de la puissance de Dieu? C'est de faire exister et d'anéantir. Dieu, on dit qu'il est le créateur parce qu'il a la puissance de créer et d'anéantir. Donc la puissance de Dieu, c'est quoi le rôle de la puissance de Dieu? C'est quoi sa fonction? C'est de faire exister ou d'éliminer la chose, de l'anéantir. C'est bon? Donc si c'est une chose, c'est impossible qu'elle existe. Bah, c'est pas concerné par le rôle de la puissance. Si la fonction de la puissance est de faire exister et d'anéantir, si c'est une chose, c'est impossible qu'elle existe. C'est totalement hors sujet par rapport à la puissance de Allah. Ou d'anéantir Dieu, c'est impossible que ça anéantisse. Donc il n'est pas concerné par la puissance de Dieu. C'est clair? Et il n'est pas concerné par le fait d'être créé par la puissance de Dieu, Yanni, parce que Dieu n'est pas créé. Donc, vous avez vu, donc c'est totalement hors sujet par rapport à la signification de la puissance. Donc forcément, la puissance. Si son rôle c'est de créer et d'anéantir, ça ne concerne que des choses qui sont possibles qu'elles soient créées ou anéanties. C'est ce qu'on appelle le possible rationnel. C'est quoi le possible rationnel? C'est tout ce qui est possible selon la raison d'exister, tout comme ne pas exister. C'est-à-dire que rationnellement, il n'y a rien qui empêche que ça existe et rien qui empêche que ça n'existe pas. Selon le raisonnement rationnel, la logique. Après, pourquoi ça existe ou ça n'existe pas? Ben, c'est Dieu qui a voulu que ça existe ou c'est Dieu qui a voulu que ça n'existe pas. C'est bon? Donc ces choses-là, on dit que c'est ça
qui est concernée par la puissance de Allah, parce qu'elles sont concernées par l'existence et l'inexistence. C'est possible qu'elles soient créées et c'est possible qu'elles soient anéanties. Anéantissement, c'est le contraire de la création. C'est bon? Une chose peut au départ ne pas exister, donc elle est au néant. Dieu l'a créée, donc elle devient existante. Et après, c'est possible que Dieu la fasse retourner au néant, donc elle redevient inexistante. C'est ça la fonction de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est de créer et d'anéantir. Dieu, avant le paradis n'existait pas, il était au néant, Dieu l'a créé. Donc, on dit qu'il a subi la puissance de Allah. Après, c'est possible que Dieu il fasse que le paradis reste, c'est possible qu'il soit anéanti. C'est ça la fonction de la puissance. Vous avez compris? Wa'ifatul Qudra, al-Ijad ou al-Irdam. Les savants musulmans ils disent que la fonction de la puissance, c'est la création, le fait de créer, et l'anéantissement. Dieu n'est pas créé, Dieu ne s'anéantit pas. Wal-Awwal, il n'a pas de début. Wal-Akhir, comme c'est marqué dans le Coran, ça ne veut pas dire le premier et le dernier dans le sens temporel, c'est-à-dire celui qui n'a pas de début, celui qui n'a pas de fin. Donc Dieu n'a pas de fin, donc c'est impossible qu'il s'anéantisse. Al-Hayyul Qayyum, Dieu il est celui qui a pour attribut la vie, donc il ne meurt pas. Et Al-Qayyum, celui qui n'a pas de fin, et que c'est impossible que ça anéantisse. Donc, étant donné que Dieu a pour attribut la vie et qu'il ne meurt pas, bah donc il n'est pas concerné par la création, par le fait qu'il soit créé, et ni par le fait d'être anéanti. Donc, il n'est pas concerné par sa puissance. C'est bon pour tout le monde? Donc, la puissance de Dieu agit sur autre que Dieu, et sur autre qui est de ce qui est impossible selon la raison. L'impossible selon la raison, c'est ce que la raison n'accepte pas que ça existe. Et logiquement, c'est impossible que ça existe. Comme par exemple un autre Dieu que Dieu. C'est bon pour tout le monde? Deux dieux, trois dieux, etc. Ça, c'est impossible sans une raison. C'est clair pour tout le monde, c'est très important de comprendre la signification, la puissance pour comprendre après certaines notions autres que cela. Donc Dieu, on a dit qu'on l'appelle Al-Alim, celui qui a pour attribué la science. Sa science n'est pas créée, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin, elle ne compte pas, elle ne diminue pas, elle ne se renouvelle pas. Dieu, il est Al-Qadir. Al-Qadir, dans le sens de Al-Qadir, c'est-à-dire celui qui a pour attribut la toute-puissance. Donc celui qui a pour attribut la puissance complète et la puissance de Allah est un attribut qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. C'est l'attribut par lequel Dieu agit sur ce qui est possible selon la raison, c'est-à-dire que l'effet de son attribut impact sur ce qui est possible selon la raison, c'est-à-dire sur tout ce qui est possible selon la raison d'exister tantôt ou de ne pas exister tantôt. Et donc, par sa toute-puissance, Dieu crée et anéantit. Par sa toute-puissance, Dieu il fait exister et il fait que la chose n'existe plus. Quant à Allah Ta'ala, son existence est obligatoire selon la raison. C'est-à-dire que la raison saine, elle n'accepte pas autre chose que le fait, pour Dieu, Annie, que le fait qu'il existe. C'est-à-dire que la raison n'accepte pas que Dieu n'existe pas. La seule chose qu'elle accepte pour Dieu, c'est qu'il existe. Donc, l'existence de Dieu, donc Dieu, il est obligatoire selon la raison qu'il existe. Et l'impossible rationnel, c'est ce dont la raison n'accepte pas que ça existe. C'est-à-dire que c'est impossible rationnellement que ça existe. Logiquement, c'est impossible que ça existe. Comme par exemple l'existence d'un associé pour Dieu ou d'un ressemblant à Dieu. Ça, c'est strictement impossible que ça existe. Donc on va pas. Donc c'est impossible que ça existe, donc c'est pas concerné par la puissance de Allah. On dit pas Dieu il est impuissant de créer ça. On dit la puissance de Dieu ne concerne que ce qui est possible selon la raison. Et ce sujet-là en question est impossible selon la raison, donc la puissance de Dieu ne concerne pas cela. C'est clair? Le fait de dire que la puissance de Dieu ne concerne pas certaines choses, ça ne veut pas dire que Dieu est impuissant sur certaines choses, non? Dieu a dit wa huwa ala kulli shay'in qadir, il est sur toute chose tout puissant. Mais toute chose, ça veut dire ici tout ce qui est possible selon la raison, Dieu est tout puissant dessus. D'accord? Et la puissance de Dieu, c'est quoi? C'est l'attribut par lequel Dieu fait exister et anéantit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est fa'alun lima yurid, c'est-à-dire que Dieu accomplit absolument ce qu'il veut, comme c'est marqué dans le Coran, fa'alun lima yurid. Donc ça, c'est parmi les noms de Dieu également. Bien sûr qu'on n'emploie que pour Allah, et qui sont cités dans le Coran. C'est-à-dire que Dieu est tout-puissant à faire exister ce qu'il a voulu de toute éternité. C'est-à-dire, toute éternité, Dieu il a voulu une chose, parce que la volonté de Dieu ne change pas. Il a voulu que ces choses-là existent, et donc Dieu est tout-puissant à faire exister ces choses-là qu'il a voulu qu'elles existent, et rien ne le rend incapable de cela. Dieu fait ce qu'il veut, sans difficulté et sans que
quiconque ne l'en empêche. Et personne ne peut retarder l'entrée en existence de la chose pour laquelle Dieu a voulu qu'elle entre en existence. Personne ne peut retarder le temps dans lequel elle va entrer en existence si Dieu l'a voulu qu'elle entre en existence dans ce temps-là. Ma sha'a Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Ça, c'est une parole très connue rapportant dans le hadith que le cheikh l'a cité ici également, qui signifie ce que Dieu veut de toute éternité et que ça existe, ça aura lieu, c'est-à-dire que ça adviendra et ça existera. Wama lam yasha, et ce que Dieu ne veut pas de toute éternité que ça existe, lam yakun, ça ne sera pas, c'est-à-dire que ça n'existera pas. Et la volonté de Dieu ne change pas. Parce que le changement de volonté est une preuve de l'entrée en existence, et l'entrée en existence, ce qu'on appelle la contingence aussi, est impossible concernant Allah. Les savants ils disent le signe le plus évident qu'une chose allait créer, c'est qu'elle change. C'est-à-dire, c'est quoi le signe le plus évident que toi, tu es créé par Allah? C'est que tu changes. Parce que le fait que tu grandisses, tu vieillisses, tu es malade, qu'une fois tu es heureux, une fois tu es joyeux, tu es triste, ça prouve que quelqu'un te fait changer. Tu as besoin de qui te fait changer, de qui a voulu pour toi qu'aujourd'hui tu sois là et pas ailleurs, qu'aujourd'hui tu étais à l'âge et demain tu auras un autre âge. C'est-à-dire que toi, c'est indépendamment de ta volonté. Personne n'est choisi de vieillir, personne n'est choisi de grandir. Le bébé ne choisit pas de grandir. Et la personne âgée ne choisit pas de vieillir et de mourir. Donc ça veut dire qu'elle est nécessairement dépendante de qui a voulu pour lui ce changement d'un état à un autre. Et donc celui qui change a besoin de qui le fait changer. Et celui qui a besoin est faible, et celui qui est faible n'est pas Dieu. Vous avez compris le raisonnement logique? C'est très très facile. Celui qui change ne se fait pas changer lui-même. C'est Dieu qui le fait changer. C'est quelqu'un qui a voulu pour lui le changement. Donc il a besoin d'un spécificateur qui l'a spécifié par cet état plutôt qu'un autre. Et donc celui qui change a besoin de qui le fait changer. Et celui qui a besoin, il est faible. Et celui qui est faible, c'est impossible qu'il soit Dieu. Donc si Dieu changeait, ça voudrait dire qu'il aurait besoin de qui le fait changer. Ça voudrait dire qu'il serait faible et ça voudrait dire donc qu'il ne serait pas Dieu. C'est pour ça que c'est impossible que Dieu change. Et également, par extension, c'est impossible qu'un attribut de Dieu, il change. On ne dit pas la parole de Dieu, elle change, on ne dit pas sa volonté, elle change, etc. Donc c'est pour ça que les savants, ils ont dit, la preuve la plus évidente que Dieu, qu'une chose allait créer, c'est qu'elle change. C'est pour ça que c'est impossible que Dieu, il change, et c'est impossible également que ses attributs, ils changent. Parce que le changement de l'attribut implique le changement de l'être. Également. Donc, ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, à dire ce que Dieu veut, et c'est pas comme ils disent mashallah, certains qui n'ont pas bien appris, ils disent mashallah, c'est ma sha Allah, ma sha Allah, c'est comme, on dit pas inshallah, on dit insha Allah, c'est pas inshallah, il y a un hamza entre le nom Allah et le verbe, insha Allah, insha Allah, et pareil, c'est ma sha Allah, ma sha Allah. Avec la liaison. On ne dit pas mashallah parce que tu auras enlevé la hamza du mot sha'a, le verbe sha'a qui veut dire vouloir, sha'a yasha'u. On dit masha'a, et après avec la liaison Allah, masha'a Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, à dire ce que Dieu veut et ce qu'il ne veut pas n'est pas. On a dit parce que la volonté de Dieu ne change pas. Et la volonté, c'est quoi? C'est le fait que Dieu spécifie le possible rationnel par certaines caractéristiques plutôt que, qui lui sont possibles, plutôt que d'autres, et par un temps plutôt qu'un autre. Nous, on a défini c'est quoi la puissance. C'est quoi la puissance pour Dieu? Pour Dieu, bien sûr, c'est pour les créatures, c'est autre chose. C'est quoi la définition de la puissance de Dieu? C'est l'attribut par lequel Dieu y crée et anéantit, c'est bon? C'est quoi la définition de l'attribut de la volonté? C'est l'attribut par lequel Dieu spécifie le possible rationnel par certaines caractéristiques qui leur sont possibles plutôt que d'autres, et par un temps plutôt qu'un autre. C'est-à-dire pourquoi le soleil est rond et pas carré? C'est-à-dire que Dieu l'a spécifié le soleil par la forme ronde plutôt que la forme carrée. C'est bon? Pourquoi le soleil il existe actuellement et au jour dernier il n'existera plus? Le soleil après il sera jeté en enfer, il sera éteint et jeté en enfer. Tout comme la lune. Quand les gens seront au paradis, il n'y aura plus de soleil. Donc le soleil, Dieu l'a donné un temps plutôt qu'un autre. Dieu aurait pu faire que le soleil n'existe pas dans le bas monde et qu'il existe au paradis par exemple. Donc ça veut dire que c'est ça la signification de la volonté de Allah. C'est-à-dire que Dieu l'a spécifié ces créatures-là par des caractéristiques plutôt qu'une autre, et par un temps plutôt qu'un autre. Pourquoi nous on existe dans cette communauté-là alors qu'on n'existe pas d'un côté de Adam? Parce que Dieu nous a spécifié
par le temps du fait qu'on existe à la fin du monde plutôt qu'on existe au début de l'humanité, par exemple. Pourquoi il y en a, ils sont blancs, noirs ou jaunes, etc. Parce que Dieu nous a spécifié par une couleur plutôt qu'une autre. Donc c'est ça la signification d'attribut de la volonté. C'est l'attribut par lequel Dieu spécifie la créature, donc le possible rationnel. Toutes les créatures sont possibles rationnelles, bien sûr, par certaines caractéristiques plutôt que d'autres, et ces caractéristiques-là, bien sûr, leur sont possibles, selon la raison, et par un temps plutôt qu'un autre. Avez écrit la définition? La volonté de Dieu, c'est le fait de spécifier le possible rationnel par certaines caractéristiques qui leur sont possibles, plutôt que d'autres, et par un temps plutôt qu'un autre. Et comme on avait dit, le changement est la preuve de notre inexistence, et notre inexistence est impossible pour Dieu, à son égard. Allazi la hawla wa la quwwata illa bihi, c'est-à-dire celui dont nulle préservation et nulle force si ce n'est par lui. C'est-à-dire que l'auteur ici, il a repris la parole la hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète, dans le hadith, il a enseigné de dire ma'asha Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Et c'est une parole qui est tellement connue chez les musulmans que voilà, tout le monde connaît cette parole-là. Donc personne, aucun musulman n'a contredit cette parole-là, ni dans le sens, ni dans la forme. Et la parole la hawla wa la quwwata illa billah, que l'auteur il a paraphrasé ici en disant celui dont la hawla wa la quwwata illa bihi, c'est-à-dire celui dont nulle préservation et nulle force, si ce n'est par lui. Donc ça reprend la parole la hawla wa la quwwata illa billah. Et c'est pareil, c'est pas la hawla wa la quwwata illa billah, c'est pas comme ça qu'on dit. Et c'est pas aussi comme ils font beaucoup de maghrébins aussi, ils disent la hawla et après ils s'arrêtent. Il commence à dire la parole, après il s'arrête. Ça, c'est faux. La hawla, c'est-à-dire il n'y a pas de préservation, point. Alors, là. Si tu dis la parole, tu la dis en entier, d'accord? En entière. Il n'y a pas de préservation ni de force si ce n'est par l'aide de Allah. Là, c'est bon. Tu as une exception après la fin de la parole. Cette exception-là, c'est ça qui donne tout le sens à la parole. Mais si tu dis juste la hawla wa la quwwa, et tu t'arrêtes là, tu es en train de dire qu'il n'y a pas de préservation, pas de force, point. D'accord? Donc, il n'y a pas de préservation ni de force, ce n'est par l'aide de Allah. Ça veut dire que personne ne peut éviter les péchés si ce n'est par la protection de Dieu. Subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de force pour quiconque pour adorer Allah si ce n'est par l'aide de Dieu. Ça, c'est le prophète qui a donné l'explication de cette parole-là. Il a dit La hawla an mansiyatillah illa bi rahmatillah wa la quwwata ala quwwatillah illa bi aunillah. C'est-à-dire, personne ne peut se préserver des péchés si ce n'est par la protection de Dieu. Et personne n'a la force d'adorer Allah, d'obéir à Dieu, si ce n'est par son aide. Donc c'est ça la réalité de l'état de l'esclave. Quand on dit qu'on est esclave de Dieu, c'est-à-dire qu'on est des créatures qui appartiennent à Allah. C'est-à-dire que la créature, elle est totalement dépendante de Dieu. Elle a totalement besoin de Dieu dans sa préservation des péchés, pour qu'elle soit préservée des péchés, et qu'elle soit facilitée pour faire les actes d'adoration. C'est-à-dire que nous, sans l'aide de Dieu, on est incapable de se préserver des péchés et ni de faire des actes d'adoration. Donc l'esclave, la personne, est dépendant de Dieu, il a besoin de Dieu dans les deux sujets. C'est-à-dire qu'il a besoin de Dieu pour se préserver des péchés et il a besoin de Dieu pour avoir la capacité et la force de faire les actes d'obéissance. L'esclave, il est dépendant dans les deux sens. Dans tout ce qu'il fait, l'esclave est dépendant de Allah. Donc ça veut dire que cette parole-là, la hawla wa la quwwata illa billah, c'est une parole de tawhid. C'est-à-dire que c'est une parole que tu reconnais que le seul qui donne la force et la protection, c'est Dieu. Donc tu es en train de faire le tawhid de Allah, de dire que le seul qui crée la protection et la capacité, c'est Allah Ta'ala. Tout comme c'est le seul qui crée tout ce qu'on fait. Donc on est dépendant de Dieu dans tout ce qu'on fait. Comme on dit là, qu'on peut pas se. On peut pas être indépendant de Dieu. Ne serait-ce qu'un clignement d'œil. On est totalement dépendant de Allah dans tout ce qui nous arrive, dans tout ce qu'on fait. Et Allah Ta'ala, il est celui qui a pour attribut toute perfection qui est digne de lui, comme la science, la puissance, la volonté. Et donc, la perfection qui est concernant Dieu une perfection, eh ben, c'est la perfection qui est loin du fait que Dieu ressemblerait à ses créatures. Faire attention parce que c'est pas toute perfection qui est digne de Allah. C'est pas toute perfection des créatures, c'est une perfection pour Dieu. D'accord? Pour la créature, la perfection, par exemple, le fait d'être beau physiquement, le fait d'être intelligent, le fait d'être éloquent. On dit pas Dieu, il est éloquent, on dit pas que Dieu est éloquent, c'est le fait d'employer des belles formules. Après, le Coran est éloquent parce que c'est l'expression de la parole de Dieu. Mais après, la parole de Dieu, c'est pas un son des lettres ni une langue.
D'accord? Donc c'est pas concerné par les formes, d'accord? On dit pas Dieu il est intelligent, parce que l'intelligence c'est le fait de comprendre rapidement. Et ça implique le changement. Donc Dieu il n'est pas concerné par le changement ni par la compréhension. On dit Dieu il sait, on dit pas Dieu il comprend. On dit Dieu il sait, on dit pas il comprend. D'accord? On dit pas également Dieu il est beau physiquement. Parce que Dieu n'est pas un corps, il n'est pas concerné par la proportion, les volumes, etc. L'être humain, physiquement, à la base, sa constitution, c'est la plus parfaite des constitutions parmi les créatures. Fi arsani taqwim, Dieu l'a dit. Adam, quand il a été créé, c'était le plus beau, le plus belle des créatures. D'accord? Après, parmi les humains, il y en a qui sont moins beaux, mais l'être humain, à la base, c'est celle qu'a la créature, qu'a l'être humain par excellence, je parle. Comme les prophètes, par exemple, ce sont les plus belles des créatures. C'est-à-dire que la constitution humaine est plus jolie à la base que celle des anges, des djinns, etc. Fi arsani taqwim. Les anges, par exemple, leur constitution physique, ils ont des yeux, des mains, etc., mais ils sont penchés un peu en avant. Alors l'être humain, lui, se tient droit, par exemple. Donc il y a des choses qui changent d'une créature à d'autres. Après, les anges, quand ils prennent forme humaine, ils sont comme les humains, quoi. Ils sont d'appareil génital. Donc c'est pour ça que les savants, ils précisent, ils disent que Dieu a pour attribut toute perfection qui est digne de lui. Ce n'est pas toute perfection pour l'être humain, c'est une perfection pour Dieu. C'est bon? En revanche, le fait de la science, la puissance, la volonté, ça c'est des perfections qui sont dignes de Allah. Le fait de ne pas ressembler aux créatures, ça c'est une perfection qui est digne de Allah. N'est-ce pas? Nous, par exemple, si tu dis tu ressembles au prophète, c'est une perfection pour nous. Mais si tu dis Dieu ressemble au prophète, c'est de la mécréance. C'est une insulte. Tu as compris ou pas? Donc, par exemple, tu dis un tel est intelligent, c'est une perfection pour cette personne-là. Mais si tu dis Dieu est intelligent, comme ils ont dit certains égarés, Dieu soi-disant, c'est l'intelligence supérieure, ou ils disent l'Mudabbir, soi-disant l'intelligence créatrice, soi-disant Arantbillah, ça c'est de la mécréance. D'accord? Et on ne dit pas que Dieu il est un attribut. On ne dit pas Dieu c'est une puissance, on ne dit pas Dieu est amour, on ne dit pas Dieu est une intelligence, on a dit une intelligence supérieure, ou une force comme ça, c'est une force. Je n'en sais rien, transcendante ou. Ça, c'est des attributs. Dieu, c'est un être qui a des attributs. On ne dit pas Dieu, c'est un attribut. Et pareil, l'amour, à la base, c'est un attribut. Pour la créature, c'est le sentiment que tu ressens dans le cœur. D'accord? L'agrément pour Dieu, le fait que Dieu ait la volonté d'accorder des bienfaits à ses créatures, ce qu'on appelle l'agrément, ce qu'il appelle aussi en arabe mahabba, qu'on pourrait traduire soi-disant par amour, c'est un attribut. D'accord? On ne dit pas Dieu est amour, comme ils disent les gens du livre. On ne dit pas comme les athées, intelligence supérieure ou une force créatrice, disons. Non, d'accord, Dieu, il n'est pas un attribut. Faire attention à ça. Dieu est un être qui a des attributs. Donc c'est pour ça que les savants ont dit, celui qui a pour attribut toute perfection qui est digne de lui. Comme la science, la toute-puissance, la volonté. Et celui qui n'est pas concerné par un défaut quel que soit à son égard. C'est-à-dire qu'il est totalement exempt de tout défaut. C'est-à-dire de tout ce qui n'est pas digne de Allah. C'est simple. C'est quoi les défauts concernant Allah? Bah, tout ce qui caractérise les créatures, c'est un défaut pour Dieu. Quelqu'un pourrait dire, ouais, mais nous, on a la science, on a la vision, on a la vie. Oui, mais ta science, elle est créée. Donc si tu dis que ta science, c'est comme la science de Dieu, alors, si tu dis que la science de Dieu, c'est comme ta science à toi, c'est une insulte pour Dieu. Parce que ta science, elle est faible. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Dieu l'a dit. Dieu, il sait, vous ne savez pas. En réalité, nous, ce qu'on sait, c'est très très peu. D'accord? Très très peu. Et également, ta vie, elle est créée. Donc, si tu dis que la vie de Dieu, c'est comme ta vie à toi, t'es en train d'insulter Dieu. Donc, c'est pour ça que les mots sont les mêmes, mais le sens est différent. Pas parce qu'on dit Schaferi, c'est un savant, et qu'on dit que Dieu a pour attribut de la science, ça veut dire que Dieu est comme Schaferi, non. D'accord? C'est les mêmes termes, mais c'est pas le même sens derrière. D'accord? En revanche, tu dis une science éternelle qui n'a pas de début, qui ne change pas, ah oui, là c'est une perfection pour Dieu. Tu dis une vision qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui n'est pas par un organe, oui, là c'est digne de Allah. Tu dis une vie qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui n'est ni faite de chair, ni de sang, ni de moelle, oui, là ça c'est une perfection pour Dieu. C'est clair, mon tout le monde? Donc tout ce qui est un défaut pour Dieu, c'est quoi? Concernant Allah, bah, tout ce qui caractérise la créature. La couleur, le mouvement, tu fais toute la liste des attributs des créatures, ça c'est un défaut pour Dieu. Le changement, la couleur, l'immobilité, le fait d'être en contact, le fait d'être séparé d'une chose, le fait de changer, le fait d'être dans une place, le fait de monter, de descendre, le fait d'avoir des organes, le fait de tomber malade, le fait d'avoir un début, le fait d'avoir une fin, le fait d'avoir une couleur, le fait d'avoir une forme, le fait d'avoir une température, etc., etc. Tout ce qui caractérise les créatures, c'est de la mécréance d'attribuer à Dieu.
Et si le mot est le même que pour la créature, alors sache que ce n'est pas le même sens. D'accord? Ce n'est pas le même sens. Donc le mot est le même, mais le sens n'est pas le même. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de ressemblance entre Dieu et ses créatures. Comme on avait vu pour l'éternité du paradis et de l'enfer, c'est temporel, alors que l'éternité de Dieu, elle n'est pas temporelle. Etc., etc. Tous nos attributs à nous sont par la volonté de Allah. Alors que les attributs de Dieu, ils sont propres à son être. C'est-à-dire quoi, propre à son être? C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a spécifié Allah par ces attributs-là. Nous, notre science à nous, elle n'est pas propre à nous-mêmes. C'est pas toi que. C'est pas parce que t'es Ibrahim que t'as de la science. C'est pas parce que t'es humain que t'as de la science. Il y a des humains qui sont ignorants. D'accord? Non. On a de la science parce que Dieu a voulu pour nous qu'on ait de la science. Dieu, il a pour attribut la science parce qu'il est Dieu. C'est pas parce que quelqu'un, il a voulu que Dieu, il ait de la science. T'as compris la différence entre les deux? Donc c'est ça qu'on dit qu'ils sont propres à son être, c'est-à-dire que c'est pas par la spécification d'un spécificateur. Alors que nous, tous nos attributs sont par la spécification d'un spécificateur. C'est-à-dire que nous, c'est pas nous qui avons choisi, c'est Dieu qui a voulu pour nous qu'on ait ces attributs-là. Alors que Dieu, tous ses attributs, personne n'a voulu pour Dieu qu'il ait ces attributs-là. Dieu, parce qu'il est Dieu, il est tout-puissant. Parce qu'il est Dieu, il a pour attribut la vie. Parce qu'il est Dieu, il n'a pas de début. Parce qu'il est Dieu, c'est ce qu'on appelle des conditions de la divinité. Shurut al-uluhiyya. C'est-à-dire que c'est des attributs qui sont obligatoires concernant celui qui est Dieu. Celui qui est Dieu, forcément, il est tout-puissant, il sait tout, il a pour attribut la vie, pour attribut la science, la volonté, la parole, l'ouïe, la vue, etc. C'est bon? Parce que s'il n'avait pas ces attributs-là, il ne serait pas Dieu. D'accord? Et Dieu est Dieu, donc il a cette attribut-là. C'est clair, mon tout le monde? C'est pas par le choix de quelqu'un d'autre. D'accord? Et également, Dieu ne s'est pas créé lui-même, d'accord? Dieu existe depuis toujours, et ses attributs existent depuis toujours avec Dieu. C'est un être qui a des attributs. Vous avez compris pourquoi on dit qu'il est pour attribut toute perfection qui est digne de lui, et il est exempt de tout défaut le concernant. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas digne de lui. Quand on dit exempt, c'est-à-dire qu'il n'est pas concerné par cela. Comme par exemple l'ignorance, l'impuissance, la couleur, la limite. Quand on dit que Dieu n'a pas de limite, ça ne veut pas dire que s'étend à l'infini. C'est pas genre un corps diffus, que s'étend à l'infini. Non, quand on dit qu'il n'a pas de limite, c'est-à-dire que ce n'est pas un volume, ni grand ni petit. D'accord? Ni grand ni petit. Également le fait d'être circonscrit dans une direction et une place, ça également c'est impossible concernant Allah. Parce que celui qui est circonscrit, c'est-à-dire qui est entouré de toutes parts par un endroit, qui est placé dans un endroit, c'est-à-dire qu'il est limité par cet endroit-là. Et qui a déterminé pour lui ces limites-là plutôt que d'autres? C'est Dieu. Donc celui qui est limité, il a besoin de qui a donné ses limites? Et celui qui a besoin est faible, celui qui est faible n'est pas Dieu. Vous avez compris la preuve rationnelle? Celui qui est dans un endroit est limité par cet endroit-là. Si Dieu était au ciel, c'est-à-dire qu'il serait plus petit que le ciel. C'est-à-dire que le ciel limiterait Dieu. Donc il aurait besoin de qui lui donner cette limite? Certains, les Wahhabites, ils disent quoi? Ibn Taymiyyah, par exemple, il dit quoi? C'est pas un Wahhabite, mais lui, il a été repris par les Wahhabites. Ibn Taymiyyah, il dit soi-disant que Dieu a la même taille que le trône. Alors que selon lui, le trône limite Dieu. C'est-à-dire que si le trône a été plus grand, Dieu aurait été plus grand. Si le trône a été plus petit, il aurait été plus petit, soi-disant. Alors on se bille là. C'est-à-dire que si le trône était carré, Dieu serait carré. Si le trône était rond, Dieu serait rond. Si le trône était triangle, Dieu serait triangle. Alors on se bille là. Il a limité Dieu. Et lui-même, Ralib, non, Talib, plus avant des compagnons, le cousin du prophète, Islam, il a dit, Waman zarama anna ilahana mahdoudun, faqad jahila al-khaliq al-mahmoud, comme il a rapporté le Hafiz Abu Nourim dans son livre Hayatul Awliya, ça veut dire, celui qui prétend que Dieu aurait des limites, ben, il n'a pas adoré, il n'a pas connu celui qui mérite d'être adoré. Et celui qui ne connaît pas Dieu ne peut pas l'adorer. La condition pour adorer une chose, et pour croire en une chose, c'est de la connaître. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu ne peut pas prétendre avoir foi en Dieu s'il ne la connaît pas. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire quoi cette parole-là? Ça veut pas dire que Dieu, il n'a pas de limite dans le sens qu'il est étendu à l'infini, non? Tout comme tu vois par exemple l'océan à l'horizon, t'as l'impression qu'il se termine pas. Ou le trône, par exemple, tu vois pas le bout du trône, tellement il est grand. Non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est-à-dire que Dieu, il n'a pas de limite du tout. C'est-à-dire que Dieu, c'est pas un corps du tout, c'est pas un volume du tout, il n'a pas de hauteur, de largeur, de profondeur. C'est pas un volume, c'est ça que ça veut dire. C'est pas une entité diffuse dans un endroit, etc., en ce milieu-là. Parce qu'une fois, il a donné un cours comme ça à nouveau. Tout le cours, il a compris. On a terminé le cours. Hein. Tout expliqué à la croyance, tout ça. Et c'est bon, t'as compris. Ouais, super, etc. Et après, je lui ai réexpliqué ça. J'ai dit, mais attention, quand on dit que. Voilà, ça ne veut pas dire que Dieu, ce serait une sorte d'entité. Et en fait, lui, il m'a dit, ah, mais moi, en fait, je pensais que c'était genre une sorte d'esprit qui nous voit de haut, etc. Il n'a pas compris le cours. Hein. Alors, c'est à quel point c'est important
préciser, yani de simplifier, d'insister, etc. Alors quand tu dis Dieu n'est pas un corps, il y en a qui comprennent pas. Il y en a qui croient que ça veut dire que Dieu, c'est pas un volume palpable, mais que c'est une sorte d'esprit diffus en haut, quoi. Donc je dis oui, c'est pas un corps, c'est une sorte de lumière ou d'un truc comme ça, c'est un peu impalpable, tu vois, je dirais ou pas? Un fumigène. Oui, mais c'est réellement, il y a même des gens pendant des années qui ont pris cours avec nous, qui entendaient des cours, mais ils ne comprenaient pas. C'est-à-dire que lui, quand tu disais Dieu n'est pas un corps, lui, il comprend, Dieu, c'est pas un volume, genre un être humain, ou une maison, une boîte, ou un verre d'eau. Mais lui, il comprend quoi, Dieu n'est pas un corps? Il comprend une sorte de truc diffus. T'as compris? Une sorte de soit de lumière ou d'esprit, mais ça même l'esprit, la lumière, c'est quelque chose qui est un corps, qui a une limite. L'âme, il a une limite, hein. C'est ça que c'est important de préciser. Quand Dieu n'est pas un corps, on ne parle pas juste des corps palpables. Aussi les corps impalpables. La fumée, c'est un corps. Quand tu as une fumée noire sur un ciel blanc, tu vois bien où est-ce que la fumée elle commence, où elle se termine. La lumière, c'est pareil. Donc c'est important de préciser tout ça. Donc il n'est pas dans une direction ni dans un endroit. Comme ils ont dit les grands savants du Salaf, comme Ahmed ibn Salama, Tahawi, voilà Tahwihi, Jihad, Tussit, Tukasei, Mutadara, dire que Dieu n'est pas dans une des six directions, contrairement à toutes les créatures. Parce que tout ce qu'on a cité là, tout ce qu'on a évoqué, ça fait partie des attributs des créatures, des caractéristiques des créatures. Et comme on a dit, Dieu ne ressemble pas à ces créatures. Donc Allahu Ta'ala, là, après avoir expliqué tout ça, ben, on comprend maintenant pourquoi on dit que Dieu, il existe sans être dans une place. Mawjoud bila makan. C'est-à-dire que Dieu n'occupe pas une place, ni un endroit, ni un lieu. Dieu existe sans être dans une direction, ni dans une place quelconque. Et on ne dit pas non plus que Dieu est partout. C'est pareil aussi, quand tu expliques à quelqu'un la croyance, tu ne vas pas dire directement Dieu existe sans être dans une place, dans un endroit. Il y en a, ils ne vont pas comprendre. Ils vont dire, ah bah Dieu, il est partout alors. Bah non, ça c'est faux aussi. Parce que le partout, c'est un endroit aussi. C'est dans tous les endroits. Donc c'est aussi contraire à la croyance de l'islam. Et une fois, un frère, elle avait dit ça à un pervers, il voulait lui enseigner la croyance, et lui, il a dit quoi? C'était pas un musulman, cette personne-là. Elle dit, ah bah dans ce cas-là, alors Dieu, il change toujours d'endroit alors. Il dit, non, t'as alors. Et soi-disant, tu sais, comme le. Il rebondit en fait d'endroit en endroit, soi-disant. Lui, il a compris, soi-disant, Dieu reste pas au même endroit, quoi. Il bouge tout le temps, en fait, soi-disant. Donc c'est important que ces notions-là, il faut les expliquer à la personne qui apprend, qui est un peu nouvelle, qui n'a pas beaucoup de connaissances. Là, ils comprennent, tu sais pas, tu arrives directement, Dieu n'a pas de limite, il est sans endroit, point, vas-y, au revoir. Et lui, il comprend, bah, Dieu, soi-disant, est étendu à l'infini, et sans endroit, il est partout. Si t'as pas expliqué, c'est possible qu'il. Moi, à l'époque, ou avant qu'il y ait la guerre en Syrie, je me rappelle, j'étais. Il y avait des fois des enfants qui venaient nous voir et demandaient de l'argent, tout comme ça. Et du coup, moi, j'aimais bien leur parler un peu de la croyance, tu vois. Et du coup, je dis, voilà, les enfants, voilà, apprenez voilà, que Dieu ressemble pas à ce qu'il a créé. Bon, les musulmans le savent à la base, bon. C'est bien de faire le rappel. Et je leur dis, voilà, bien sûr, Dieu n'est pas dans un endroit. Et mes enfants, là, ils ont dit, oui, Dieu, il est dans tous les endroits. Les enfants, genre, ils ont 8 ans, tu vois, je dis, non, on dit pas comme ça. Maintenant, ils comprennent de cette phrase-là, Dieu, il sait tout ce qu'il y a partout. Ils comprennent dans tous les endroits par sa science, d'accord? Dans le sens où que Dieu l'englobe toujours par sa science. Il y en a qui comprennent Dieu est avec vous où que vous soyez. C'est par la science qu'il est avec nous. Donc, il y en a qui comprennent quand il dit Dieu est partout, ils comprennent ça dans le sens que Dieu sait tout, tout ce qu'il y a partout, etc. Donc la compréhension n'est pas nuisible, mais après la phrase qu'il a dite, on ne dit pas ça, on ne dit pas Dieu est partout. Dieu existe sans endroit, d'accord? Sans endroit, il est nulle part. Dans un endroit, elle n'existe pas comme nous. Si nous on dit qu'on est nulle part, c'est-à-dire qu'on n'existe pas. Mais quand tu dis que Dieu est nulle part, ça veut dire qu'il n'existe pas comme nous, tout simplement. C'est ça le tawhid. Il y en a qui ne comprennent pas. Ils disent, mais quand tu dis que Dieu existe sans être quelque part, c'est-à-dire qu'il n'existe pas alors. Si tu dis qu'il est ni au ciel, ni sur terre, ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière, ni en dessous, ni dans aucun endroit. Il y en a qui se lèvent d'esprit et disent quoi? Bah, c'est-à-dire que Dieu n'existe pas alors. Ils n'ont pas compris que Dieu n'est pas une créature, que Dieu ne nous ressemble pas. Quand on dit que Dieu existe sans être dans un endroit, ça veut dire que Dieu n'existe pas comme les choses qui existent, tout simplement. Allah mawjoudun lakal mawjouda, tout simplement. Toutes les créatures, elles existent forcément dans un endroit. Et bien, comme Dieu n'est pas une créature, donc elle existe sans endroit. C'est aussi simple que ça. Toutes les créatures existent forcément dans un endroit. Il n'y a pas une créature qui existe sans être dans un endroit. Et comme Dieu n'est pas une créature, donc il ne ressemble pas aux créatures, donc il existe sans endroit. Tout simplement. Qui a créé l'endroit? C'est Allah. Donc Dieu existait avant l'endroit. Donc avant que Dieu crée l'endroit, il n'y avait pas d'endroit. Donc Dieu existait sans endroit. Après que Dieu ait créé les endroits, ben Dieu existe toujours sans endroit. C'est bon? Comme l'a dit également le plus savant des compagnons, l'imam Ali ibn Abi Talib, Kan Allah wala makan wa huwa al-an ala ma alaykan.
À dire Dieu existait soit dans un endroit et il est actuellement tel qu'il a toujours été sans endroit. D'accord? T'as rapporté parler ça, hein? Dire Dieu était et n'avait pas d'endroit et il est toujours sans qu'il y ait un endroit. D'accord? Alors depuis toujours, Dieu existe sans endroit et l'endroit, lui, il est créé. C'est plus que c'est qui a cette parole. Abou Mansour le Bardadi. Là, abordé cette parole-là. Abou Mansour le Bardadi. Et la parole d'Imam Ali qu'on a citée. Pourquoi c'est dit Imam Ali? C'est pas parce qu'on est chiite, hein, on n'est pas chiite, nous on est sunnite. Mais c'est parce que le prophète l'a dit. C'est le plus savant de sa communauté. Et c'était un grand compagnon, c'est un mujtahid. Mais après, il y a aussi Abou Bakr al-Siddiq qui a dit des paroles magnifiques dans la croyance. Aussi, le petit-fils du prophète également, il a dit des paroles magnifiques. Que Dieu, la tumma subhanaka, la tumma sola tujas. C'est-à-dire que, oh Allah, tu n'as aucun défaut, on ne peut pas te palper ni te toucher. Quand ça, c'est les savants du salaf, on dit c'est le petit-fils du prophète qui l'a dit. Les années al-Rabidine. Alors, Ibn al-Hussein, Ibn al-Ali, Ibn Abi Talib. Également, Abou Bakr al-Siddiq, il a dit, Rahimahullah, il a dit, ça veut dire le fait de reconnaître son incapacité à imaginer Dieu, bah, c'est déjà une science, c'est une connaissance, parce que c'est ça la base du tawhid. Si Dieu pouvait l'imaginer, il n'y aurait pas de tawhid, il serait comme nous. D'accord? Wa anna ila rabbika al-muntaha, Dieu l'a dit, qu'à lui s'arrêtent les imaginations, c'est-à-dire que Dieu ne peut pas l'imaginer. Il est al-latif, c'est-à-dire celui qu'on ne peut pas imaginer. Celui qui est imperceptible par l'imagination. Al-latif. Ça, c'est parmi les sens de al-latif. Celui qui n'est pas atteint par les imaginations. La tudrikul afham. La taburul awham wa la tudrikul afham. Wa la yushbihul anam. C'est ce qu'il a dit, l'imam al-Tahawi. C'est un grand savant du salaf. Il y a plus de 1000 ans. Et il a dit, Dieu n'est pas atteint par les imaginations et ne ressemble pas à ses créatures. Tout comme il a dit, Subhana, laïsa kamithlihi shay'in. En sorte Ash-Shura. C'est-à-dire, pas une chose n'est comme lui. Pas une chose, j'aime bien dans le sens comme ça, pas une chose n'est comme lui. C'est-à-dire, dans l'absolu, il n'y a rien qui est comme Dieu. D'accord? Chose, c'est-à-dire tout ce qui existe. Shay en arabe, c'est-à-dire tout ce qui existe. C'est-à-dire, ni la couleur, ni les anges, ni les humains, ni quel que soit comme créature, il n'y a rien qui est comme Dieu. C'est-à-dire que Allah, tabaraka wa ta'ala, là, il ne ressemble à rien de sa création. D'aucune manière que ce soit. Et dans cette ayah, c'est quoi la ayah en entier? C'est-à-dire, pas une chose n'est comme lui, et il est celui qui entend tout et qui voit tout. Si vous voyez, Dieu, il a fait d'abord précéder une négation et après une confirmation. La ayah, elle est en deux parties. Première partie de la ayah, c'est quoi? C'est la négation que Dieu est un ressemblant. Et la deuxième partie de la ayah, c'est la confirmation de deux attributs qui sont dignes de Allah et de sa perfection, qui sont l'ouïe et la vue. L'ouïe et la vue. Donc la ayah, elle a en deux sens. Première étape dans la ayah, la négation. C'est-à-dire, attention, Dieu ne ressemble à rien et rien ne lui ressemble de quelque manière que ce soit. Et après, Dieu, il a dit quoi? Et Dieu entend tout. Dieu, il voit et il entend. D'accord? Pourquoi il y a eu cet ordre-là dans la ayah? Pourquoi Dieu a d'abord fait précéder la négation de toute ressemblance à son égard avec les créatures? Sur la confirmation des attributs. Parce que nous, on voit et on entend, n'est-ce pas? Et si quelqu'un n'a pas bien appris la religion, il risque de s'imaginer, de s'illusionner que Dieu y voit comme nous on voit et que Dieu l'entend comme nous on entend, que Dieu a des yeux et des oreilles, etc. Donc pour pas que quelqu'un, son esprit vagabonde vers des trucs qui sont de l'égarement, Dieu, il a d'abord dit, Laïsa kamithlihi shay, pas une chose n'est comme Dieu. Donc là, t'es sûr que on n'imagine pas, on compare pas, etc. Et après, il a dit, et Dieu entend et il voit. C'est-à-dire que, eh ben Dieu il entend, mais pas une chose n'est comme lui. Dieu il voit, mais pas une chose n'est comme lui. C'est-à-dire que Dieu il entend pas comme nous nous entendons. Dieu il voit pas comme nous entendons. Donc Dieu il a fait d'abord précéder ce qu'on appelle la tanzih, c'est-à-dire le fait que Dieu il ne ressemble pas à ce qu'il a créé, donc la négation de toute ressemblance avec ses créatures. Et après il l'a fait suivre par la confirmation de deux attributs qui sont dignes de Allah, qui sont l'ouïe et la vue. Et pourquoi cet ordre-là? Parce que s'il avait dit par exemple d'abord les attributs et après la... c'est peut-être que quelqu'un il s'imagine un truc qui est faux. Donc du coup, afin qu'aucune personne ne s'illusionne que l'ouïe de Dieu et sa vision seraient comme l'ouïe et la vision d'autres que lui, alors Dieu, Ta'ala, car certes Dieu ne ressemble pas à ce qu'il a créé, il est totalement
différent de ce qu'il a créé, dans le sens qu'il ne ressemble pas à ce qu'il a créé, et bien Dieu l'a fait prévaloir d'abord la négation de toute ressemblance pour après confirmer les attributs qu'on a vus. Donc il y a un nafi ou un ithbat. D'accord? Et en arabe comme en français aussi, si tu as un mot indéfini qui est rapporté dans un contexte de négation, ça veut dire la négation dans l'absolu. Si tu dis il n'y a pas un chat dans la rue, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas de chat du tout. Ça veut dire il n'y a pas un chat mais deux, d'accord? Non, trois, d'accord? Il n'y a vraiment personne. Quand je dis il n'y a pas une chose qui ressemble à Dieu, bah, ça veut dire que dans l'absolu, il n'y a rien qui ressemble à Dieu. C'est clair? C'est ça que je préfère donner le sens comme ça plutôt que de dire rien n'est tel que lui. Quand je dis rien n'est tel que lui, il n'y a pas la même portée rhétorique. Parce qu'en arabe, il y a une explication sur la ayah que tu peux caler en français si tu dis pas une chose n'est comme lui, une chose c'est un mot indéfini, c'est un contexte de négation. Donc là, on comprend que c'est dans l'absolu. D'accord? Alors si tu dis rien n'est tel que lui, bah, après, le sens est juste, hein, les deux sens sont justes. Mais si tu dis rien n'est tel que lui, tu ne peux pas caler l'explication des savants par rapport à la ayah. Qui est qu'un contexte, un mot négatif, un contexte de négation. Voilà. Donc, pour que les gens y comprennent mieux, des fois, je donne notre sens. Pas une chose n'est comme lui, ce qui est plus proche du sens en arabe. Laïsa kamif shay. Après, bon, il y a beaucoup d'explications pour la ayah. Ce n'est pas dans le but de ce coin-là de rentrer trop en détail dans ce sujet-là. Vroun al-Misri, que Dieu l'agrée, a dit Mahma tasawwarta bi balik, fallahu bi khilafi dhalik. Ça veut dire. Donc en arabe, bikhilaf idhalik, ça veut dire le contraire de cela, ça veut dire Dieu ne ressemble pas à cela. C'est-à-dire quoi que tu imagines dans ton esprit, c'est différent de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'est pas comme ça. C'est bon? D'autres savants l'ont dit également. Vous al-Misri, c'était élève de l'imam Malik, c'était un grand savant dans le soufisme aussi, c'était un saint, un homme vertueux, il a des paroles magnifiques dans la croyance. Et parmi les paroles magnifiques qu'il a dites à cette parole-là, quoi que tu imagines dans ton esprit, Dieu est différent de cela. D'accord? Donc Dieu, il est Al-Qadim, celui qui n'a pas de début, et tout ce qu'autre que lui, parmi les créatures, est entré en existence. À un début, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'il a été créé, tout ce qu'autre que Dieu a été créé après avoir été inexistant. Il est le créateur, Al-Khaliq, à lui seul, pour l'ensemble de tout ce qui existe, tout ce qui existe parmi les créatures. Donc il est celui qui fait apparaître les choses du néant à l'existence. Et tout ce qui est autre que lui, c'est-à-dire toutes les mondes, c'est-à-dire toutes les créatures, est créé. Quand on dit les mondes, ça veut dire les groupes de créatures. D'accord? Tu as le monde supérieur, le monde inférieur, le monde des anges, le monde des humains. Les groupes de créatures appellent ça des mondes. Tout ce qui est autre que Dieu, tous les mondes, ils sont créés. C'est-à-dire qu'ils ont un début. Donc le monde, dans son ensemble, a un début par son genre et sa composition, comme tout le reste des créatures. Et on arrête là pour aujourd'hui, inch'Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Et on développera ce sujet-là, inch'Allah, mardi prochain. Rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana qina adhab an-nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ballighna qul ramadan wa taqabbal minna siyamana وطاعتنا وأغرقنا من النار وأحسن خاتمتنا وتوفنا وأنت راض عنا يا الله يا كريم يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم وصلى الله عليكم.